Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle année, année 2019. Et nous allons parler de la foi. Une année de foi 2019. On prie que ce soit vraiment une année de foi. Et je suis heureux d'accueillir pour ce deuxième jour Gwen. Bonjour, Jérémy. On a parlé de l'amour hier et maintenant on va parler de la foi. C'est ça. Encourager les croyants, les frères et les sœurs à marcher dans la foi, et on va proclamer également des paroles de foi pendant cette émission. Et je lisais un passage qui se trouve dans Nombre, chapitre 11, au verset 21. Moïse va dire au Seigneur, il va dire « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit « Je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux du menu et du gros bétail en sorte qu'ils en aient assez ? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez ? L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si oui ou non ce que j'ai dit arrivera. » C'est vraiment puissant. Et pour ceux qui sont dans le domaine de la restauration, ou peut-être vous êtes dans une usine où on fabrique de la nourriture, ou on met de la nourriture dans des plats, 600 000 hommes qui doivent manger, sans compter les enfants et les femmes, 600 000 hommes pendant 30 jours. C'est énorme. C'est 18 millions de repas, mais comme ils mangent deux fois par jour, c'est 36 millions de repas. On imagine que chacun d'eux devait manger à peu près 300 grammes de viande. C'est beaucoup de millions de kilos de viande. Il y avait au moins peut-être 20 millions de kilos de viande. C'est énorme. Énorme, incroyable. Et pourtant, Dieu dit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si oui ou non, ce que j'ai dit arrivera. Alors 20 millions de kilos de viande, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire qu'il y en avait encore beaucoup plus. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Il n'y a rien de trop d'inatteignable pour lui. Mais tout est possible à celui qui croit. Et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors des fois, on peut avoir besoin d'un peu d'argent pour s'acheter à manger. Peut-être les fins de mois sont difficiles. Mais qu'est-ce que les quelques euros dont nous avons besoin, les quelques dollars ou les quelques francs CFA ou d'autres dont nous avons besoin quand Dieu est capable de faire tomber sur le peuple et sur le terrain tellement de viande, des cailles et des millions de kilos, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On sert un Dieu qui est extraordinaire, qui veut nous amener dans le domaine de l'extraordinaire. Mm. On a parlé de l'amour et l'apôtre Paul dit que maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et on a parlé de cette plus grande chose qui était l'amour, mais il associe aussi la foi et l'espérance. Et la foi, c'est extraordinaire. Et Dieu veut qu'on marche dans ce domaine extraordinaire. On ne peut pas marcher d'une façon terre à terre en tant que chrétien. On veut marcher d'une manière extraordinaire. On veut déclarer pendant cette émission que le manque ne sera plus votre partage. Amen. On veut déclarer dans cette émission que la peur ne sera plus votre partage, que le doute s'éloigne de vous, que vous accueillez cet outil extraordinaire et puissant à l'extrême qu'est la foi. La foi, c'est glorieux. La foi, c'est merveilleux. C'est un bras spirituel qui saisit. Et la Bible dit que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Mais avec la foi, c'est possible de lui être agréable. Quand on marche dans la foi, on est agréable à Dieu parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Si on marche dans la foi, c'est qu'on a compris qu'il était un Dieu extraordinaire, comme on peut le lire dans ce passage-là. Et Dieu veut nous bénir, veut nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser. Il veut manifester une gloire extraordinaire dans nos vies. Et dans le passage que je disais, donc dans Hébreux, qui est le Hébreux 11, qui est un chapitre, on l'appelle le chapitre de la foi, c'est vrai ? Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire,
de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que celui-ci existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes arrêté à un seul de ces deux concepts. Il dit qu'on doit croire que celui-ci existe. Et ça, c'est peut-être votre partage aujourd'hui. Vous êtes un chrétien et vous avez la foi juste pour croire que Dieu existe. Mais il y a une deuxième partie. Ces deux parties sont indissociables. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et 2019, ça va être pour vous l'occasion d'entrer dans la suite de ce verset. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous allez vivre des choses extraordinaires cette année. On va déclarer ensemble, on va prier ensemble et notre foi va s'élever. Elle va s'élever, mais tellement haut qu'on va regarder les années passées, on va dire, mais comment j'ai pu vivre en dessous de ce privilège que j'avais. On va vraiment élever notre foi pendant ce temps-là. Et la foi nous approche tellement du cœur de Dieu, tellement de ce qu'il veut faire dans notre vie, de ce qu'il veut déverser dans notre vie. Et c'est peut-être pas des millions et des millions de kilos de viande dont vous avez besoin, mais il est le rémunérateur de vous, de ceux qui le cherchent, alors que vous le cherchez, il va répondre d'une manière extraordinaire. Et plus vous allez vivre des conquêtes, plus vous allez vivre du succès dans votre foi, plus vous allez être motivé pour demander des choses plus grandes. Dernièrement, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je devais m'attendre à beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Que moi, je pensais que déjà, j'étais en marche vers la foi, vers les miracles, vers les choses. Et puis, Dieu m'a dit, mais arrête de me limiter. Arrête de faire ça. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me limiter. Il faut que tu crois maintenant dans le tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu. Et je vais continuer sur ce passage. L'Éternel fit souffler un vent qui de la mer amena des cailles et les rabattit sur le camp jusqu'à environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait environ 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Et pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. On en ramassa au moins 10 homères et ils les étendirent pour eux autour du camp. Il leur a fallu 2 journées complètes et une nuit entière pour ramasser les cailles tellement il y en avait. Dieu est un Dieu puissant. Et pour Jésus, c'était rien de multiplier ses pains et ses poissons. Sérieusement, c'était quelque chose d'un peu rigolo pour lui. Il s'est mis à ce qu'on était dans une forme humaine. Mais pour lui, c'était vraiment pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose. La terre tient dans sa main. La terre tient dans sa main. Nous, on regarde et on lit la multiplication des pains et on fait rêver les enfants. Ils disent, waouh, ils imaginent Jésus multiplier les pains et les poissons. Et même nous, on se dirait, on aimerait tellement que ça puisse nous arriver. Et on est impressionnés, mais ça n'impressionne pas du tout Dieu. C'est comme si, je ne sais pas, il s'était abaissé tellement au point de devenir un petit enfant, comme un enfant qui fait un petit château de sable et qui est tout content parce qu'il a fait un château de sable. Et il montre ça à ses parents, il est tout excité. Mais Jésus, c'était juste un petit château de sable, c'était rien du tout. Il était capable de construire un château, mais c'était juste un château de sable. C'est une multiplication des pains et des poissons. C'était juste un petit château de sable, c'était vraiment pas grand-chose. Effectivement, comme tu le dis, Dieu nous appelle à voir plus grand. Dieu nous appelle à élever notre foi. Dieu nous appelle à nous attendre à lui. Et quand on s'attend à lui, on l'honore. Quand on s'attend à lui, on le glorifie. Quand on s'attend à lui, il est béni parce qu'il trouve quelqu'un qui croit. Et nous entendons cette parole de l'Écriture qui résonne dans notre esprit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pourquoi nous voulons croire pour le réveil de la francophonie, nous voulons croire pour des miracles extraordinaires, nous voulons croire pour une multitude d'hommes et de femmes, de serviteurs de Dieu qui vivent ce que les apôtres vivaient. Non plus seulement quelques apôtres, non plus seulement quelques personnes, et nous savons que ça s'est propagé après, mais que ce ne soit pas seulement 10 ou 20 personnes, mais que ce soit des milliers, des milliers, des milliers, des milliers et des milliers de personnes qui, partout dans la francophonie et au-delà, se lèvent dans la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui était sur Étienne, cette puissance qui était sur Philippe, cette puissance qui était sur les apôtres, cette puissance qui était sur Jésus,
la même puissance qui se manifeste avec force partout dans la francophonie. Mmh. Ouais, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on déclare, c'est ce qu'on va voir. On va vraiment le voir, on va le voir aussi avec vous et pour vos vies personnelles. Aujourd'hui, on va vraiment déclarer la foi, on va déclarer des paroles de foi et puis on va prendre position sur cette année. On va se placer déjà plus haut. On va faire comme le serviteur d'Élie dont on a parlé cette semaine. On va faire comme lui, on va monter plus haut. On va aller voir, on va monter sur la montagne et on va aller regarder. Nous, cette année, c'est ce qu'on va décider de faire. On va regarder nos situations et on va regarder sur toutes les choses qu'on a pu dire en 2018, c'est impossible. C'est impossible de guérir, c'est impossible de ceci ou de cela. C'est impossible que... J'ai une parole pour une personne qui est aujourd'hui dans une situation financière compliquée et qui regarde son calcul, ses entrées, ses dépenses et qui se dit, il y a un problème de... Il y a un problème de calcul. Je serai toujours dans la soustraction. Mais avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers et de même votre propre vie et de vos cheveux qui sont comptés sur votre tête, aujourd'hui, on va déclarer autre chose. On va déclarer que Dieu est Dieu dans cette situation, qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant. On va déclarer que c'est lui qui fait venir les cailles sur nos vies. Amen. C'est lui qui les fait venir. C'est lui qui est notre patron. C'est lui qui nous emploie. C'est lui notre employeur. C'est Dieu notre employeur. C'est lui qui pourvoit. C'est lui notre banquier. Et on va le déclarer ensemble. Et vous qui vous considérez comme une personne très ordinaire à cause de votre travail très ordinaire, Dieu veut vous faire passer dans un domaine extraordinaire. Parce qu'il veut se servir de vous. Non seulement pour que vous soyez heureux vous-même et que vous n'ayez pas à avoir des peurs ou des doutes par rapport à votre vie personnelle, mais qu'en plus, vous ayez en abondance pour bénir les autres. Donc, cette année, on veut la saisir avec le mois comme une année d'exploit. Mmh. Et comment on fera des exploits si ce n'est par la foi? C'est par la foi qu'Abel a obtenu ce qu'il a obtenu. Et tout ce chapitre de la foi en parle. C'est qu'il y a eu un moment, des personnes qui ont décidé dans leur génération, sans appel particulier, puisque Abel et Caïn n'avaient pas d'appel particulier. Ils étaient tous les deux au même stade. Il n'y en a pas un qui était au-dessus de l'autre. Mais par la foi, il y en a un qui est entré dans une dimension supérieure. Alors vous qui n'êtes pas pasteur, apôtre, prophète, ou qui n'avez peut-être même pas de place dans l'Église particulière, ou... aujourd'hui, Dieu rémunère la foi. Il veut rémunérer votre foi. Il veut rémunérer votre foi à vous, à l'intérieur, ce que vous avez, ce que vous croyez. Il ne veut pas rémunérer le titre, parce qu'il y a beaucoup de titres dans le monde. Mais il a trouvé bon de rémunérer la foi de n'importe qui, de cet homme qui ne s'est même pas jugé digne lui-même que Jésus entre dans sa maison. Il a dit, moi j'ai des serviteurs et je dis, Alain, va. Et puis Jésus va dire, mais même en Israël, j'ai pas vu une telle foi. Je vais rémunérer un tel homme. Je vais rémunérer une telle foi. Je vais la rémunérer. Parce que Dieu aime et se plaît dans la foi. Il se plaît et il veut répondre. Aujourd'hui, on va invoquer le rémunérateur de notre foi. Et on va croire pour des choses qui paraissent folles pour le monde. Des choses qui paraissent folles même dans votre église. Vous allez commencer à croire pour des choses folles. Vous allez voir que votre église, qui est une petite église, qui a des problèmes de matériel, des choses qu'il faut acheter, mais que tout le monde a des paroles qui ne sont pas des paroles de foi. Mais vous qui n'avez même pas de place dans un conseil d'administration ou de quoi que ce soit, vous allez sans arrogance, en toute humilité, invoquer le Dieu Tout-Puissant dans le lieu secret. Vous allez commencer à déclarer et vous allez voir les cailles venir. Les cailles vont venir. La provision va venir. Et après, vous aurez même peut-être qu'on... On ne dira même pas que c'est parce que vous avez prié, peut-être qu'on ne le saura même pas, mais ce n'est pas grave, vous êtes rémunéré. C'est votre foi qui aura amené ces cailles-là. Et vous poursuivrez, vous détenez à l'intérieur là, des choses que Dieu veut faire, avec des petites personnes dans l'Église, ceux qui sont peut-être les plus méprisés. Dieu a amené des réveils avec des petites grand-mères qui priaient chez elles, sans avoir de pupitre, sans avoir d'estrade, de micro, et c'est par... que Dieu s'est manifesté.
On a dit la semaine dernière qu'en 2019, c'était une année où Dieu allait parler. Et il nous faut croire la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, il faut croire. Ça peut paraître fou, ça peut paraître insensé. Mais quand Dieu parle, je veux le croire. Et j'aime quand Dieu me parle. Parce que lorsqu'il parle, il ne peut pas mentir. S'il me parle, ce qu'il dit est vrai. Et s'il me parle, il y a la provision. Dieu peut peut-être vous dire d'investir. Peut-être Dieu peut vous dire qu'il va vous donner une multitude. Dieu peut vous dire, quel que soit ce qu'il vous dit, c'est la réalité. Et c'est puissant. Et il faut croire. Je me souviens qu'avant qu'on déménage au Canada, la semaine même où on déménageait, en fait c'était le week-end et on déménageait 2-3 jours plus tard, c'était notre dernier dimanche dans notre église locale et il y avait un invité qui ne connaissait rien à notre parcours, qui ne savait pas ce qu'on était en train de faire et qui a prophétisé que Dieu allait me donner un mégaphone, un système de son, il a dit un énorme système de son et dit ta voix, elle va aller, elle va rebondir et reviendra jusqu'à toi. Et on a cru cette parole. Et c'est 3 ans plus tard qu'on a commencé les émissions de MCI TV. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un énorme système de son que Dieu a mis dans nos mains. Et encore, voilà, il y a quelques jours, on a fait une émission avec Gwen et je regardais sur YouTube. Au bout de quelques jours, il y avait déjà plus de 150 000 vues. Et c'est sans compter, bien sûr, la télévision 24 sur 24, sur Canal+, les satellites. Et Dieu, il était derrière sa parole. Il nous dit des choses folles. Il m'a dit de lever une armée d'évangélistes. Mais quand il m'a parlé, j'ai commencé à regarder à ce que j'avais, à ce que j'étais. Alors que je dois regarder à ce qu'il a dit simplement et commencer à parler sur ces choses, et commencer à déclarer sur ces choses. On a parlé des projets. On a dit 2019, c'est l'année où ce projet, il se concrétise, il vient à l'existence. Mais si on commence à regarder l'argent qu'on a dans les poches, si on attend d'avoir les cailles devant nous ou l'argent dans nos poches pour commencer à avancer, ah ça, ça va pas plaire à Dieu. On n'avancera pas. On ne pourra pas avancer si on regarde à ce qu'on a. Parce que celui qui est dans la foi, il fait des choses folles. Il ne fait pas justement comme Caïn a pu faire. Il fait des choses folles. Il bénit à l'extrême. Il sème à l'extrême. Il est dévoué dans sa foi. Il fait des pas de géant. Il va avec un grand courage, parce que la foi est associée au courage. Et on va y aller ensemble. Amen. On va être des fous dans la foi. Amen. Ensemble, cette année. Vous n'êtes pas une personne banale, vous n'êtes pas une personne d'une petite église, d'une petite ville, du plus petit pays. Vous êtes cette personne que Dieu recherche. Il cherche la foi. Il ne cherche pas une grande ville, il ne cherche pas une grande église, il ne cherche pas une grande assemblée, il cherche la foi. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire qu'il sera en train de chercher. Et il est déjà en train de chercher. Il est déjà en train de chercher dans votre assemblée, là où vous êtes. Vous habitez dans le Gard, vous êtes en France, et il est en train de chercher dans cet endroit-là. Vous habitez en Alsace, il est en train de chercher. Vous habitez en Belgique, vous êtes au Luxembourg, et il est en train de chercher dans une petite bourgade. Il cherche. Et vous savez, l'œil de Dieu, il peut regarder plus petit qu'un microscope. Donc il cherche dans l'étendue, il parcourt la terre, et il vous trouve, vous, en train d'avoir une foi folle, une foi complètement folle, qui demande des choses, qui répondent à des besoins pour l'Église. Mais c'est des choses complètement folles. Là où vous êtes, c'est impossible, selon les hommes, selon votre entourage, c'est impossible, selon peut-être même votre pasteur. Mais en toute humilité, vous vous adressez à Dieu. Vous vous adressez à Dieu. Et Seigneur, on vient devant toi maintenant. On vient devant toi. Toi, le Dieu qui a créé cette terre sur laquelle nous marchons, cette terre sur laquelle nous vivons. Tu as créé toutes choses. Et tu as mis toutes ces choses à notre disposition. Et ça te plaît, Seigneur, de pourvoir aux besoins de l'Église. Ça te plaît de manifester ta gloire. Ça te plaît de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et on te bénit, Seigneur, on te bénit. Parce que cette année,
On va déclarer toutes les choses qu'on avait peur de déclarer, parce qu'on avait peur de marcher par la foi. Et cette année, on va rentrer dans des choses tellement extraordinaires. On va parler sur nos propres vies. On va parler la promotion sur nos vies, sur ceux qui nous entourent. On va parler la guérison. On va parler, Seigneur, que... On va parler sur toutes ces situations. On va être des personnes qui marchent dans la foi. On va se positionner pour le réveil. Oui, croire que cette église dans laquelle nous sommes, qui existe depuis 40 ans, où beaucoup de pasteurs sont passés et qu'il n'y a jamais eu le réveil jusque-là, on va le déclarer, c'est cette année. On déclare que les cailles arrivent parce que ton bras n'est pas trop court, parce que tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Et on croit, Seigneur, on croit. Oui, nous avons la foi, nous élevons notre foi jusqu'à te toucher, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es un Dieu de foi, un Dieu de puissance. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu de triomphe. Quand tu combats, tu gagnes toujours. Oui, amen. Tu n'as jamais perdu. Il n'y a pas une seule de tes paroles qui n'a pas été accomplie ou qui ne s'accomplira pas. Tu es un Dieu de triomphe, un Dieu de puissance. Tu donnes la vie aux morts et tu ressuscites ce qui est mort. Tu ouvres les yeux des aveugles, l'oreille des sourds, la bouche du muet. Tu donnes force et capacité, mobilité à celui qui était paralysé, à celui qui ne pouvait plus bouger. Tu guéris le malade. Alléluia. Tu donnes à manger à celui qui a faim. Tu as saigné et purifié le lépreux. Tu fais enfanter celle qui est vierge. Tu es un Dieu puissant. Alléluia. Tu ouvres la mer en deux. Tu fais ce que tu veux. Tu transformes la mer en sang. Tu es le Dieu puissant. Un seul souffle de ta bouche et tous les incrédules périront. Tu es le Dieu de gloire et le Dieu de toute puissance. Et nous croyons en toi. Et je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs, afin que la foi puisse s'élever. Je viens, Père, briser toute parole de malédiction, toute parole d'incrédulité, les paroles qui ont été semées dans les œuvres, les paroles qui ont été semées dans les familles, les paroles qui ont été semées dans les couples, les paroles qui ont été semées dans les entreprises chrétiennes, les paroles qui ont été semées, paroles négatives, paroles mauvaises, paroles d'incrédulité qui ont été semées dans les associations, dans les projets, dans les églises. Nous renonçons à ces choses et nous parlons, Seigneur, ta puissance, nous parlons ta gloire. Oui, ce peuple était semblable et même Moïse lui-même était arrivé à un point où il a été incrédule. Il ne pouvait pas croire que tu pouvais nourrir 600 000 hommes. Mais tu es un Dieu puissant. Et Père, je prie que l'Église puisse avancer, croire plus, que ce frère, cette sœur dans ce projet puisse croire par rapport à cette parole que tu lui as donnée, puisse croire que cette parole va se manifester parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et ce qui t'empêche d'agir, ce qui t'empêche de te mouvoir, de te manifester, c'est l'incrédulité. C'est pourquoi nous choisissons la foi et nous déclarons que cette année 2019 sera une année de foi, une année de gloire, une année de triomphe, une année de victoire. Alléluia. Cette année, nous arrêtons de raisonner. Nous arrêtons de faire des calculs. Mais nous faisons appel à toi, Seigneur. Et si nous avons fait des calculs qui nous amenaient toujours dans le négatif, on veut les déchirer spirituellement. Parce qu'on veut regarder à toi, Seigneur. Parce que toi, tu ne calcules pas de la même manière que nous. Tu n'as pas la même calculatrice que nous.
Même nos calculatrices sont limitées. Toi, tu ne calcules pas de la même manière. Tu nourris 5000 hommes avec quelques pains, quelques poissons. Et c'est vers toi qu'on regarde. On arrête d'être cette église qui calcule, qui dit c'est impossible, qui dit mais comment faire? On regarde à toi et on te dit Seigneur, voici ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur parce que tu réponds à notre foi. Tu appelles des personnes à te servir. Et il y a une personne qui se dit, mais comme Moïse, comment faire? Je n'ai pas la parole facile. Tu n'as pas besoin d'avoir la parole facile. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il remplisse ta bouche. Alors s'il faut la vider pour un temps et le laisser te remplir, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Il t'a appelé à servir. Il te rend fort, il te rend capable. Tu dis, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais il fait de toi un enseignant. Il fait de toi un enseignant parce qu'il est extraordinaire. Même là où il y avait peu de sages, peu de personnes instruites parmi les apôtres, parmi les disciples, certains ont pu écrire des choses extraordinaires, extraordinaires, qui nous enseignent encore aujourd'hui. Nous sommes enseignés par Pierre qui était un pécheur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour l'aventure qu'il y a à vivre avec toi, cette aventure glorieuse. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous t'aimons Seigneur. Comment te remercier d'être le véritable Dieu. Nous t'aimons Seigneur Jésus-Christ. Si vous écoutez cette émission aujourd'hui, mais que vous n'êtes pas sauvé, que vous n'avez pas été pardonné de vos péchés, c'est le moment, oui, en 2019, maintenant, le moment pour mettre votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être musulman, catholique, protestant, évangélique, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous avez besoin de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et de croire qu'il est mort pour vous, qu'il a pris votre place et qu'il a porté vos péchés afin d'être pardonné complètement de vos péchés. Et de laisser cette religion derrière vous et d'entrer dans la vie véritable, de connaître Jésus-Christ. Et nous vous encourageons à le faire, à recevoir maintenant Jésus-Christ dans votre cœur, à être pardonné de tous vos péchés, à être une personne nouvelle, à renoncer à vos péchés, à renoncer à votre vie et l'offrir au Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous vous encourageons à faire cette prière de tout votre cœur, à lui demander pardon sincèrement pour tous vos péchés.